Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, brestois, brestois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour ce débrief à chaud, ça vient de se terminer, de cette défaite laborieuse, dans le bout du bout laborieuse, comme la saison dernière à Brest, du Paris Saint-Germain à Brest, 3-2. Ce qu'on va retenir, mon premier point de la rencontre, c'est ce qu'on va retenir, c'est cette victoire, ces 3 points. On dit souvent que l'essentiel, c'est les 3 points. Le plus important, c'est les 3 points. Il fallait absolument qu'on gagne les 3 points, qu'on prenne ces 3 points, parce que Nice avait gagné vendredi soir et nous avait mis à 4 points. D'accord ? Donc, il fallait absolument faire le job. On va voir ce que va faire Monaco tout à l'heure face à Lille. Mais il fallait faire le job. Et là, on enchaîne une 3e victoire consécutive en Ligue 1, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de la saison. Donc, on enchaîne. Et juste après, en plus, avoir pris la première place du groupe en Ligue Champion, grâce à l'histoire de Saint-Milan, 3-0. Donc, voilà. Sur le plan résultat, sur le plan comptable, on y est. C'est bien. Et c'est ça qui nous permet d'être un peu plus apaisé là, au moment où je vous fais la vidéo. Maintenant, les amis, ce PSG-là que j'ai vu cet après-midi... J'ai pas aimé. Voilà. J'ai pas aimé malgré la victoire. Parce que déjà, ce que je n'ai pas aimé, c'est les choix des hommes, les choix de Luis Enrique. Premièrement, Luis Enrique est repassé encore, a commencé encore en 4-2-4, avec seulement 2 milieux qui est Fabian Ruiz et Zaïre Emery. Je pose la question, pourquoi toujours passer d'un match à l'autre, du 4-2-4 au 4-3-3, du machin, je ne comprends pas. Pour avancer bien, pour progresser bien, pour tout le monde, pour les joueurs, reste dans le même système. Un système où on est le mieux, c'est le 4-3-3. Je n'en démorderai pas. D'accord ? Avec notamment le milieu de terrain que j'aime, que je trouve très complémentaire, Vitinha, Ugarte, Zaïre Emery. Là, tu te déplaces chez le 5e, qui n'a pas perdu un match à domicile. Tu as besoin des 3 points. Pourquoi tu changes autant de mecs? Pourquoi tu fais autant tourner, sachant qu'on ne va pas jouer cette semaine, qu'on aura toute la semaine pour se reposer et on ne joue pas avant le week-end prochain? D'accord? Moi, si on me dit c'est parce qu'il a fait tourner, parce que mercredi, on a joué en Ligue des Champions, les gars, si les mecs sont pas capables d'enchaîner 2 matchs dans une même semaine, mais qu'on ne la joue pas, la Ligue des Champions, qu'on ne la joue pas. Je ne comprends pas. Encore une fois, t'es chez le 5e qui a pas perdu à domicile, t'as besoin de prendre des points. Pourquoi changer autant de mecs comme ça? Pourquoi cette défense centrale Danilo Skriniar? À chaque fois qu'on a joué avec ces deux-là, c'était terrible derrière. Les deux sont pas complémentaires. Les deux, ils tractent une charrette. Pourquoi Ugarte et Vitinha ne sont pas au milieu avec Zaïre Emery? Ugarte, les gars, on l'a pas vu contre Strasbourg, on le voit pas ce soir. Ugarte, j'ai l'impression que ça y est, on le verra plus jouer des matchs de Ligue 1, on va le sortir que pour les gros rendez-vous de Ligue des Champions. Moi, je n'ai pas du tout aimé les choix de Luis Enrique encore ce soir, les gars. Hein? Et je n'ai pas aimé non plus le Paris Saint-Germain qui s'est contenté de faire une mi-temps sur deux. La première mi-temps, on a fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Dans la relance derrière, on a fait un peu des cadeaux aux Brestois. Heureusement, les Brestois ont mal joué le coup. Mais sinon, dans l'ensemble, cette première mi-temps, avec aussi le fait que Brest laisse pas mal d'espace, plus en première qu'en deuxième, mais en première mi-temps, j'ai vu un PSG, voilà, on a eu beaucoup d'occasions, ça aussi c'est énervant. On a besoin de 5 grosses occasions pour en mettre une. Il faut qu'on soit plus chirurgical. Il faut qu'Enrique, c'est bien de travailler la possession, mais il faut travailler aussi devant les buts et notamment derrière, parce qu'on a pris le bouillon derrière. Mais encore une fois, quand t'as juste qu'un milieu à deux avec 2 milieux de terrain de métier comme ça, c'est compliqué à chaque fois. Bref, c'est pas ça. Bref, c'est pas grave. Là, on mène quand même 2-0. On mène 2-0, on a le match en main, malgré 2-3 petites erreurs derrière et tout. On mène 2-0. Ce but magnifique de Zaïre Emery, les gars, Zaïre Emery, moi je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un milieu de terrain comme ça au PSG. Même plus que Verratti. Plus que Verratti. Zaïre Emery, 17 ans. 17 ans, dans son jeu, dans son physique, dans son mental, il en fait 10 de plus. Et en plus de ça, Zaïre Emery, il se projette vers l'avant, il casse les lignes, il est technique. Il protège bien son ballon, il récupère des ballons, il a un volume de jeu énorme, et en plus de ça, il a une frappe de loin, il n'hésite pas à frapper de loin, c'est pas la première fois qu'il le fait, et il a encore marqué un superbe but. Zaïre Emery, moi ça fait longtemps, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain du PSG depuis longtemps. Hein? Pour moi, même plus que Marco Verratti. Oui, je le dis, j'ai pas peur de le dire. D'accord? Zaïre Emery, il est incroyable.
D'ailleurs, lui, il a fait son match, vraiment. En milieu, il a été vraiment très très bon aussi, malgré un ou deux pertes de balles. Bon, voilà, il ne peut pas tout faire non plus, c'est pas, hein, pas un surhomme. Mais voilà, il y a ce premier but encore du Titi Zaïre Emery. Il y a Mbappé qui marque sur sa spéciale sur un superbe ballon de Kangingli. Kangingli, il a du déchet, mais je vous l'ai dit, hein, son jeu de passe, tout ça, c'est... Voilà. Tout se passe bien, on a 2-0, on maîtrise, on n'est pas loin d'avoir même une ou deux balles de 3-0. Il y a un gardien de Brest qui est quand même sur un trait, qui fait un très bon match. Ça se passe bien et on se sabote à la fin. Dans les dernières minutes de première mi-temps, on se relâche et on prend ce but un peu bête parce qu'on a un relâchement. Et là, je le savais, à la mi-temps, je commençais à tourner en rond. Je savais qu'on allait passer une deuxième mi-temps moins bien. J'avais peur de ça, je le sentais. Et rapidement, les Brestois, ils égalisent. Et là, voilà. Et Brest a eu plusieurs fois la balle du 3-2. On s'en sort bien, notamment avec cette parade de Donnarumma à un quart d'heure de la fin. Et la deuxième mi-temps, les amis, eh ben, je n'ai vraiment, mais alors vraiment pas aimé. On a quasiment eu aucune occasion par rapport à la première. On a eu des joueurs un peu moins en mouvement. On a eu des joueurs qui montraient un peu moins d'envie. Alors, je sais, on va me sortir l'horaire à 13h. Eh bien, c'est pareil pour Brest. On va me sortir le temps, les grêlons, le vent, tout ça. C'est la même pour Brest. On va me sortir le « ouais, mais il y a eu le match face à Milan 3 jours avant, 4 jours avant, il faut comprendre et tout ». Non, non, les gars. Non, les gars. Non, c'est pas une excuse. Le Bayern, ils en ont collé je ne sais pas combien ce week-end. Le Real a été gagné à Barcelone. Ces mecs-là, ils ont joué aussi cette semaine en Ligue des Champions. Hein, faut arrêter. Si on n'est pas capable de faire un bon match avant un match de Ligue des Champions ou juste après, parce qu'il y a la Ligue des Champions, etc., qui prend de la place dans les têtes et physiquement, eh ben qu'on ne la joue pas la Ligue des Champions. Si tu veux manger à la cour des grands, à la table des grands, il faut assumer les deux. Moi, j'aime pas cette excuse bidon. Hein? Si les mecs sont pas capables d'enchaîner de... Non, moi, je suis pas d'accord. Hein? Bref, cette deuxième mi-temps ne m'a pas du tout plu, d'accord. Ensuite, les amis, pour parler des joueurs, bah écoute, moi Zaïre Emery au milieu qui a été très très bon. Déçu de pas voir Ugarte rentrer, Vitinha un peu tard. Ramos, les gars, Ramos, j'ai beaucoup de mal, il se donne beaucoup, mais Ramos, les gars, il apporte quasiment rien. Même Colomouani, qui est pas extraordinaire, Colomouani, qui est pas un monstre techniquement, qui est pas extraordinaire, Colomouani, il apporte quand même un peu plus de percussion, de conservation de balles, de puissance, il nous a fait quand même du bien sur la fin, Colomouani. Hein, physiquement et tout. Ramos, franchement, pff, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Barcola qui, en première mi-temps, une petite entente avec Kylian. C'est pour ça que j'ai pas trop compris aussi pourquoi, en première mi-temps, Luis Enrique, à un moment donné, il a changé Kangingli et Barcola de poste. Je trouvais que Barcola avec Mbappé, sur le côté, faisait des belles choses ensemble, les deux. Et Barcola, à droite, il s'est effacé complètement. Malgré que Barcola, il fait beaucoup d'efforts. Voilà. Sinon, Fabian Ruiz, je l'ai trouvé un tout en dessous. Je l'ai trouvé pas terrible ce soir. D'accord. Sinon, Achraf aussi, un petit peu un ton en dessous. Là, les tops, les flops, ça va être compliqué. Les flops, je vais mettre Ramos. Clairement, Ramos. Je vais mettre Fabian Ruiz aussi au milieu. Et puis, en top, Zaïre Emery au milieu. En top, j'ai envie quand même de mettre Danilo derrière parce qu'il en a enlevé des ballons dangereux. Il en a gagné des duels aussi derrière. Mais encore une fois, Danilo Skriniar, les deux ensemble, c'est trop fébrile. C'est, voilà. Et, je voudrais revenir sur ce but parce qu'on n'a pas parlé de celui-là. J'ai fait mes top et mes flops. J'ai tout fait à l'envers. C'est pas grave. Ce but-là, à la fin de Kylian, il y a pénalty clairement. Il y a contact, il y a pénalty, rien à dire. Mais tu vois, jusqu'au bout du bout, t'as le gardien, il l'arrête. Kylian, il la pousse au fond. J'ai pas aimé le chambrage de Kylian. Là, franchement, Kylian, c'est petit ce que t'as fait. Je n'aime pas cette attitude parce qu'on a été laborieux en deuxième mi-temps. Il y avait pas de quoi fanfaronner. Et ce chambrage à outrance qui a duré un petit bout de temps jusqu'à même quand il sort, j'ai pas aimé Kylian. Kylian, tu vaux mieux que ça. Kylian, t'as une place importante dans le cœur des Français par rapport à tout ce que t'as apporté à l'équipe de France. T'as encore fait vibrer les Français il y a même pas encore un an à la dernière Coupe du Monde. Ne joue pas à ça. Ne joue pas à ça. Moi, j'ai trouvé petit tout ça de la part de Kylian. Bref, les amis, sinon, bon... Une vaillante équipe brestoise, il faut quand même le souligner aussi, je finirai par ça, parce que quand tu es mené 2-0 face au Paris Saint-Germain, comme ça, dans la première demi-heure, et que tu as les ressources de mener 2-2, d'essayer d'aller même chercher le but du 3-2, d'avoir des occasions derrière, ils ont montré un état d'esprit, ils ont montré du mental, franchement, bravo à eux. Voilà. Et Mounier devant, il nous a fait mal. D'ailleurs, quand il est sorti, moi, j'étais content de le voir sortir, le Mounier, parce qu'il nous a fait du mal, celui-là. Voilà, les amis. Sur ce, ben, écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter.
L'essentiel, c'est quand même les 3 points. On va quand même, voilà, on a quand même les 3 points. On va pas, voilà, les amis. Allez, bref, prenez soin de vous. Et sur ce, toujours et encore, allez Paris. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.